what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my... I think that I'll keep loving you. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. And count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, salut à tous, Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès. On est très heureux de vous faire vivre ce match de Coupe du Monde. Je sais pas, vous êtes heureux, Pierre? Oh, mais je suis fou de joie. Là, tu sais, je me suis toujours des matchs. Hein. Un match dans lequel le Japon affrontera le Sénégal. Ça avait fait un mini-scandale, la désignation de la Russie comme pays organisateur, tu te souviens? Ouais, ça avait surpris tout le monde. Il y avait eu aussi le fait qu'on choisisse et la Russie et le Qatar en même temps. Et c'est vrai que la Russie l'a emporté devant l'Angleterre, devant l'Espagne et Portugal ensemble, Belgique et Pays-Bas ensemble. Et c'est vrai que on ne s'attendait pas à ce que les Russes décrochent pour la première fois cette organisation. Ekaterinbourg Arena qui accueille les matchs d'un club de première division russe. Mais ça ne dit rien, le Dynamo Ekaterinbourg, le Spartak. Non, le FC Ural. Ah ouais, j'avais aucune chance. Voici la composition, l'organisation tactique de l'équipe japonaise. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Thank you. Enjoy the game. Voici la composition de l'équipe du Sénégal sur votre écran. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Ce sera une touche à suivre. Un petit mot sur le format de la compétition. Premier tour, huitième, quart, demi, finale. C'est une formule qui marche en fait. Ouais, c'est certainement la meilleure formule. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu du grand n'importe quoi par le passé, style groupe de 4 puis groupe de 3, comme en Espagne en 82. On est en train de ridiculiser la défense. Parce que cette défense, elle est beaucoup trop passive. Il tente sa chance de loin. Ah, je me demande pourquoi il a tenté quand même. L'angle était très fermé. Il y avait mieux à faire.
On notait que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. On s'approche de la zone de vérité. On va voir évoluer une équipe qui va peut-être décrocher aujourd'hui devant son public son billet pour la suite de la compétition. Tout dépend du résultat. Une victoire permettra à cette équipe de se qualifier, quoi qu'il se passe dans les autres matchs. Ouais, faute, estime l'arbitre. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Pénalité. Oula, ça n'ira pas plus loin. Araguchi. C'est pour le gardien. Youssouf Sabali. Le gardien qui va sortir. Le dégagement pour éloigner le danger. Ce ballon qui est dégagé en touche. De Koulibaly, Youssouf Sabali. Attention, ça peut être dangereux. Ah, l'attaque enrayée. Le ballon va être en touche. Coup gâté. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire ? L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton ? Oh, rouge direct ! Allez, à la douche ! Et avant la douche, je pense que l'entraîneur a quand même deux mots à lui dire. Mamdouf ! Le tir qui file tout droit dans les bras du gardien, pas de problème. Allez, on va jouer la touche. Ça domine. Ouais, en profondeur, oui, bien vu. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le gardien adverse s'empare tranquillement du ballon. Alors carton ou pas carton ? Ouais, il s'en tire pas mal avec cet avertissement. Attention de ne pas prendre un nouveau rouge.
Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Mamdouf. Allez, il continue. Allez, l'occasion de passer devant. Il a buté son gardien qui était bien resté vigilant. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. C'est dans le paquet. Ah, c'est sorti. Ce sera une touche. Hiroki Sakai. On s'approche de la zone de vérité. Attention, il n'y a plus que le gardien. Attention à la frappe. Il est bien à stopper cette offensive. Moussasso. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Là, elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Et ce contre qui est stoppé. Ouais, l'arbitre qui siffle et accorde le coup franc. Mamdouf. Ouais, et la voilà la frappe. Et l'intervention décisive du gardien. La défense qui va être mise sous pression avec ce corner qui est concédé. Ça c'est plutôt moyennement joué. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Kouyaté. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Diouf. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Diop. Mamdouf. Il lève la tête, il va centrer. Et ce match de la deuxième journée de la phase de groupe qui reste totalement indécis à la pause. Absolument Hervé, rien n'est fait encore au tableau d'affichage. Les deux équipes sont hélas, comme on le dit trop souvent, bien en place. Physiquement elles sont fraîches, ça risque d'être serré jusqu'au bout cette affaire. Mamdouf.
Les joueurs qui sont revenus du vestiaire, c'est reparti pour la seconde période. Avec des changements, ouais, non. Je m'y mets. Et ça sort en 6 mètres. Bon, il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes, il a été plutôt moyen, hein, Pierre. Moi, je trouve qu'il a été transparent. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Yuya Osako. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Diop. Diouf. Sadio Mané. Non, non, ça ne passe pas. Le ballon qui sort, touche. Nagatomo. La voie est libre. Et il vient buter sur la défense. Diop. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Sadio Mané. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Araguchi. Coup gâté. Il s'avance vers la surface. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. C'est une touche. On va effectuer un changement. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Ah non, le ballon est perdu. Là, c'est une touche. Kalidou Koulibaly. Attention, il a du champ devant lui. Le jeu qui revient dans l'axe. De cette technologie sur la ligne de but. Soit ça ne joue pas grand chose, vraiment. Et au moins, ça permet à l'arbitre de prendre la décision sans avoir à se faire critiquer derrière. Ah, le buteur, il peut remercier quand même sa bonne étoile. Ouais, on voit, il faut ralentir que le ballon touche là-bas. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Pas vraiment de quoi inquiéter le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. Et ça gagne. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Touche longue, une touche courte, on va voir. Kalidou Koulibaly. Coup gâté. Moussasso. Ah, facile la récupération. Un petit peu trop forte cette passe aérienne, l'action s'arrête là. Est-ce qu'il va prendre un avertissement ? Nouveau un carton rouge. Je comprends pas bien ce qui se passe sur le terrain. Expulsion sans scène.
La faute au ralenti, on voit le joueur se jeter hein, sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Un changement normal après tout, ce n'est pas à peu de faire le jeu maintenant. Moussasso. Ouais, ça profite, l'arbitre l'a joué. Ah, c'est vrai ça. Alors, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Et ça gaye. Diouf. Moussasso. On s'approche du but. Il perd le ballon. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. L'action qui se poursuit. L'arbitre estime qu'il y a avantage. Ah, et ça sort en touche. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ouais, impeccable ce tacle. Ce sera une touche. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Ce sera une touche. Youssouf Sabali. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Sadio Mané. Youssouf Sabali. Lamine Gassama. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On s'approche de la zone de vérité. À la conduite de bas, choisit la frappe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Allez, après tout, pourquoi pas. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Keizuke Honda. Ouais, très bonne intervention défensive. Gueye. Diouf. Ouais, on passe par les côtés. Il est à l'interception. Lamine Gassama. Mamdouf. Le tir. Ah, cette frappe qui est contre le gardien qui boxe de ce ballon. Ah, c'est une faute, coup franc. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon et la faute est bien.
Sûr. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard, il commet la faute. Ça aurait été un match délicat pour lui. Ouais, il n'a jamais vraiment trouvé la solution. Un match à oublier au plus vite pour lui. On va changer de tireur dans cette équipe. Très très mal tiré ça. Changer d'avis au dernier moment. De temps additionnel au minimum. Peut-être une faute, carton peut-être. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête, Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Alors qu'il reste peu de temps. Ah, c'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. La sortie a été ratée. Et c'est donc le coup de sifflet final. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce match, malgré des conditions météo difficiles. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui, il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose, que demande le peuple. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match, il a toujours su accélérer le jeu, c'est une superbe performance. Dancing Queen.